La conférence que les Kenya, moi je suis de parler de ce qui se passe dans notre wilaya, je suis de parler de ce qui se passe dans notre pays. Quotidiennement, on suit les détails, tout ce qui se passe. La conférence Gerli, c'est un interdit. Elle dit le choix. C'est un interdit. La conférence Gerli, c'est une conférence, c'est une conférence à Guyadel. Je n'ai pas contrôlé les conférences. Qu'est-ce qui. Je m'occupe d'autres problèmes. Il y a beaucoup de dossiers plus importants, très importants. Je ne dirais pas que ce n'est pas important les conférences. Mais c'est une université qui travaille. Nous avons organisé deux cérémonies, passage des grades de maître de conférence à, au grade de professeur. Nous avons distribué de 110 diplômes pour des médecins spécialistes qui vont encadrer les hôpitaux. Ce sont de belles choses qui se déroulent. Et nous avons des portes ouvertes sur pour les futurs bacheliers. Donc la conférence est pour nous normale. Et mais c'était... On a... non, monsieur, parce que je vous dis des choses qui viennent à n'importe quel moment. Si monsieur le ministre m'appelle, il me dit, monsieur le recteur, c'est bon, vous avez terminé votre mission. L'heure qui suit, je restitue les clés pour mon successeur. Je suis conscient, je suis professeur, le garde-professeur, le poste de recteur, nous sommes ici pour accomplir un devoir national et local. Je suis ici pour servir la communauté universitaire, un Khmeini Melhand à Guinée. Donc, je m'attends à n'importe quel moment, il y a un ministre qui m'a dit, je suis responsable, j'occupe une fonction supérieure, c'est la nature même des fonctions supérieures. Et j'ai occupé déjà deux fois le poste de doyen, mais il n'y avait ni démission, ni mise fin de fonction et nous, et un incident de l'Ouali, même l'Ouali, il est en pensée à Ikhaddim, sauf ceux qui ont donné l'information, mais c'est une décision de mise fin de fonction, nos fonctions, bon, on apprend. Donc, de jeunes journalistes, de jeunes étudiants, de jeunes praticiens, donc là, c'est... Mais je rassure la communauté universitaire parce qu'ils sont en suite. Je les remercie vivement parce qu'ils s'inquiètent. Et là, je me sentais vraiment un membre à part entière dans cette communauté universitaire au service de cette université.